Yo l'équipe c'est Sang, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V en mode histoire. Donc les gars, hier vous avez pu voir que je vous ai présenté une voiture, la Oppressor MK2, qui est toujours pas sortie en mode online, mais j'ai réussi à l'importer en mode histoire. Donc là aujourd'hui je vous présente encore un nouveau véhicule, donc c'est la Scramjet, donc c'est la voiture que vous voyez actuellement à l'écran. Donc c'est encore un véhicule que j'ai réussi à importer sur PS4. Donc les gars, encore une fois, je précise comment je fais. Donc en fait, la voiture, quand je la fais spawn, elle reste pas longtemps au sol. Donc elle va rester quoi, 4-5 secondes maximum. Donc j'ai pas le temps de monter dedans pour pouvoir rouler avec. Donc ce que je fais à chaque fois pour pouvoir rouler avec la voiture, ou en tout cas être dans la voiture, je prends un autre véhicule avec, donc je monte dedans. Et une fois que je suis dans le véhicule, je fais spawn donc la Scramjet. Donc regardez, par exemple là je suis dans l'avion, je vais accélérer un petit peu avec l'avion, et après je vais tout simplement sélectionner la voiture que je souhaite spawn. Donc pour ma part aujourd'hui c'est la Scramjet, et regardez, enfin là il y a des moments elle spawn, à des moments ça spawn pas, mais en tout cas comme hier pour l'oppressor, dès que la voiture spawn je vous mets tout au ralenti, comme ça vous pouvez bien voir à quoi elle ressemble. Donc les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde! Chucky B. Repetition.